Et salut à tous, c'est Mister David et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un UHT Games. Nous avons de la neige, de la neige, de la jungle. Oh là 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 là, mais que ce que j'aime pas à chaque fois. Et un peu de prairie là-bas, je veux la prairie moi par contre. Ouais, parce que la neige c'est la loose. La jungle c'est la loose. En plus, la neige elle s'arrête bizarrement là-bas. Bref, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt bien. Sauf que bon, là au moment où je poste la vidéo, ça ira sûrement moins bien vu que je serai à l'armée. En train de déprimer pour ceux qui n'ont pas suivi. Du coup voilà un autre UHT en solo. Hein, j'en ai record plusieurs pendant la soirée du vendredi 2 janvier. En voici un autre. Bon, ceux où je meurs au bout de 5 minutes, je les diffuse pas, bien entendu. Je ne diffuse pas que ceux où je gagne non plus. Je diffuse ceux qui sont intéressants, je trouve. Parce qu'il y en a certains, des fois, ils sont vraiment pas intéressants du tout. Donc voilà, 5 secondes. Espérons spawner dans le coin là-bas. Franchement, vas-y, je me mets proche du coin pour essayer de spawner là-bas. Vas-y, téléporte-moi là-bas. Téléporte-moi là-bas. Hop, je dis bon, enfin, je dis coucou. On me dit coucou, je dis coucou. Et puis bon, il y a aussi les games. Bon, où des fois il y a des cheaters. Même si ce soir j'en ai pas trop rencontré, heureusement. Il y a aussi les games où il y a des gens un peu relous. Hein. Je comprends que des fois vous êtes content de me croiser en game. Mais s'il vous plaît, ne me stalkez pas. Laissez-moi jouer. Moi aussi, j'ai le droit de jouer. Parce qu'il n'y a rien de plus. Je crois que c'est de la prairie en dessous de moi. Ok. Il n'y a rien de plus chiant que de vouloir jouer et de ne pas pouvoir. Parce qu'on est suivi en permanence par quelqu'un qui nous vole nos tables de craft, nos fers, etc. C'est... Voilà, bon. Petit message à ceux qui regarderont la vidéo et qui l'ont déjà fait. C'est chiant. Voilà, ça c'est dit. Le mec qui casse l'ambiance dès le début. Hop, on va couper cet arbre-là. J'aime pas le boulot. Je parle de l'arbre, hein. Énorme blague, tout ça. Alors, on va ramasser vite 5 pierres. Comme ça, on va là. On transforme tout ça en bois. On prend la moitié de la moitié qu'on transforme en stick. Hop, hop. On a l'habitude. C'est le départ classique des UHT Speed. Tout ça, on transforme en table de craft parce qu'on aime avoir des tables de craft sur nous. C'est une passion. Une passion comme une autre, certes. Ah, j'ai entendu un poulet. Le petit titiquement. Merde, hop. Putain. J'avais l'impression que je le touchais pas. Bon, on a deux poulets. Est-ce qu'on va aller loin avec ça? Non. Est-ce qu'il nous faut de la bouffe en plus? Oui. Du coup, c'est la loose. On va aller voir par là si on a un peu de chance. Mais on dirait que non. On va manger le. Ok, par là, on s'arrête pas. On a vu une vache. Deux vaches même. Voilà, hein. On tue les deux vaches. Pas de pitié. Désolé pour la bouffe, mais la bouffe c'est sacré. Parce que là-dedans, il n'y a plus rien. Bon, on part avec ça. On va essayer de pas trop courir comme un tarde non plus. Non, d'accord, on part pas là-dedans. C'est une fausse grotte, je me suis fait avoir. Ah, mais la bouffe, ça va être la misère, hein, je sens. Si on trouve pas une autre source de nourriture, là, tout de suite. Genre, je sais pas, des cochons dans la montagne. Là, on voit rien comme animaux, c'est la loose. Et moi je cours comme un tarde parce que j'aime pas marcher. Je profite, c'est un UHC speed, pas un UHC détente. Ouais, par là-bas, peut-être dans la jungle, mais dans la jungle, va trouver des animaux quoi. Dans la jungle des animaux. Le plus sauvage peut devenir rigolo. Frappe dans tes. Non, d'accord, c'était. Référence à la con des fois qu'on peut avoir les gens. Poulet! Voilà. C'est pas grand chose, c'est juste un poulet. Ouais, mais y a tout le monde qui est dans le coin. Ouais, en mode. En mode, nous sommes dans la savane. Si je fais comme ça, voilà. Hop. Pour monter, ce sera plus pratique. Je crois qu'on va vraiment arrêter de se balader dans
dans tout ça, parce qu'on trouve rien. Hein. C'est plutôt la loose du coup de rien trouver. Je crois que j'ai vu un pseudo déjà par là en bas. De toute façon, il n'y a pas de PVP. Et puis, on va pas PVP avec une épée en pierre. On est des hommes, on n'est pas des sous-merdes. Et oh, c'est sérieux? Personne n'a vu ça? Personne n'a vu ou personne n'a été visité? Ouais. Par contre, c'était bien, on trouve ça. Oh, mais ça descend encore. Attends, il y avait du fer par là? Non. On va essayer de prendre. Oh, mais il y a double faille. Bon. On va mettre le F3 vite fait, on est en 28. C'est pas si mal. On n'a pas de seau d'eau. Ça, c'est un peu la loose. J'aime bien avoir de l'eau sur moi. Est-ce que. Ouais, il y a du fer là-haut, mais. Vidéo. Là-haut, justement. Hop, on va faire un peu de bûche. Transformer ça en table de craft. Bye, Mister David. Très bien. Le mec a été suicidé sur un Enderman. Pourquoi pas? Hop. On va se faire une pioche, une épée et un seau. Bon, du coup, deux seaux directement. Hein. On se fait plaisir. Elle est où l'eau? J'entends de l'eau. Mais elle est là-bas derrière. C'est celle-là qu'on entend. J'avais pas vu le fer ici non plus. J'ai ma pioche, j'ai mon machin. On ramasse la précieuse ressource. Et on monte récupérer l'eau. Parce que on ne dit pas non contre un peu d'eau. L'eau, c'est la vie. Sauf quand elle remonte aussi haut, putain. Ça, c'est un peu relou. On aurait pu essayer d'en trouver une autre de source. Dis-moi qu'elle est là-haut. Ah. Voilà, j'ai ma source d'eau. Et du coup, je repars par là. Dans ma grotte incroyable. Où il n'y a strictement rien, donc on descend. À la verticale. J'entends un truc par là. Genre, il y avait encore de l'eau par là. Avec de. Merde! Ah! Non! Voilà, je respire. J'ai entendu de la lave par là. J'ai pas halluciné. Elle est où? Bon, c'est pas grave. On continue. Ok, du fer encore, ça c'est cool. Ok, apparemment il y en a plein qui manquent de nourriture. Donc on va vraiment économiser la nôtre. Ok, là c'est le mur en bedrock. On économise la nôtre, je trouve. Elle est où la lave qu'on entendait? Et l'eau surtout. L'eau du coup qui nous a fait chier.
Ah bah voilà. Une énorme faille. Hop, du coup, un seau d'eau, un seau de lave, je veux dire. Ah, j'arrive pas à rentrer dedans. Voilà. Bon, faut que j'arrête avec le bois du coup, parce que j'en ai bien trop. J'aime bien les grosses failles comme. Ah, mais faut que j'arrête avec le bois, j'ai dit. J'en ai plein de machins donc. On va continuer à explorer cette faille. On peut s'amuser à monter comme ça et ressauter en bas. Enfin, j'ai bien fait de refouiller parce que j'entendais, c'était perturbant. Mais en fait, j'ai assez pour me faire un full stuff. Je suis bête. Hop, plastron, machin. Non, pas un wagon, s'il te plaît, et un casque. Ah, le PVP est activé, donc on a bien fait de faire notre stuff maintenant, je pense. Et là, il y a de l'or, il va falloir que j'aille le chercher un peu partout. Celui qui est là-haut, je vais le chercher, c'est sûr et certain. Voilà, hop, bonjour. Un seul, t'es sérieux? Putain, la loose. Putain, mais c'est... Je sais pas où est le squelette. L'araignée, on l'a vu en tout cas. Est-ce qu'on peut la tuer comme ça? Ah, mais ça a tué ses loot avec. Fuck. De l'or, on prend. Je prends des risques moi. YOLO quoi. Ah oui, bonjour. Putain, fallait qu'il me touche. Ok, il meurt. On va manger le plus qu'on a. Putain, c'est what the fuck cet endroit. Hop plutôt parce que sinon sauter dans le vide ça ne marche pas. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant par là? Un zombie. À défaut sa nourriture pourra nous sustenter un tout petit peu. Ok, bonjour. Loot-moi ton épée. Sharpness 1 sur du fer. Très bien. Bah bonjour, hein, j'avais dit loot-moi ton épée. Il m'a écouté. Non mais c'est bien. J'aime les zombies qui écoutent comme ça les ordres donnés par leur maître. Oui, parce que je suis le maître des zombies, voyons. Ça coule de source. Ouais, en fait, y a rien par là, donc on va vraiment repartir par là. Est-ce que... Par où j'ai pas été? C'est par là du coup j'ai été. J'ai combien de... Ouais, j'ai à peine de quoi faire 3 flèches quoi. Mais alors je l'ai entendu le zombie. Il va se calmer tout de suite, Billy. Il m'a rien looté, cet enfoiré. Oula, j'ai eu un petit coup de lag. Est-ce que je retournerai voir par l'autre côté? Parce que bon, je suis allé d'un côté en arrivant. Mais est-ce que j'irai pas voir par là? Non, par là, il n'y a rien d'intéressant.
Il reste combien de temps? Ouais, il reste 1 minute. J'ai pas vraiment le temps de visiter. On va manger la viande de zombie. Non, on va même pas. Si, on va la manger. Allez, hop, on mange. Histoire d'être full de bouffe. What? T'es sérieux? D'accord, je me suis pris de la lave. J'ai même pas compris au moment où ça m'est arrivé. Oui, je suis un boulet par moment. Ça m'arrive, oui. Non. Ok, j'ai fait de la merde là. Je savais. Je savais au moment où ça m'est arrivé. Il reste quoi? Bon, d'accord, on va acheter ça. J'ai du coiffe. Très bien. On fait peur ce con. On va acheter ça, on va acheter ça, ça. Et on va garder le strict minimum, les flèches, les machins et ça. Et il y a un squelette enchanté là-bas. Bon! 4 secondes, on est prêt, c'est parti. En espérant que ça se passe plus ou moins. Oh putain, c'est quoi ce biome? Là, il y a un pseudo. What? Il est sous la glace? What? Mais je les vois dessous! Mais c'est quoi ce bug? Par contre, ces items, je les vois à la surface. Ça, y a pas de problème. Bon, tant pis, on prend le risque. On n'a pas trop le choix. Voilà. Mais j'ai rien compris. Je voyais le mec. Il y avait pas un arc, non? Ok, là y a un mec. Oh, y a deux mecs. Ok, lui il s'enfuit, c'est qu'il est low HP. C'est pas grave. On va lui foncer dessus quand même. On a encore un cœur d'absorption. What? Voilà. Putain, il avait rien d'intéressant. Si, il avait de la bouffe. Il avait pas d'or. Donc bon. Mais t'es sérieux? Ok. Lui, par contre, il avait du stuff intéressant. Hop, hop. Ça fait quoi? 7,25. Donc ça, c'est mieux. Hop, on va jeter ça. Ça. Ok, il avait pas assez d'or. Est-ce que j'ai récupéré son arc? Non? Merde, il est là, son arc. Ok, on a un arc. Il avait beaucoup de flèches ou pas? J'ai 12 plumes sur moi. Oh, j'ai de quoi faire des flèches. D'accord, je me suis débarrassé de mes tables de craft alors que j'essaie de les garder tout le temps. C'est pas grave, je suis un boulet. Hop, hop. Non, c'est le contraire. Non, c'est le contraire. Voilà, là j'ai de quoi. Where are you? Bah, je suis là, mec. Pourquoi je le vois bugger? C'est quoi ce bug? Non mais tu sais que tu me feras pas mal avec ta canne à pêche? Oh putain, t'es sérieux? Putain, ça me saoule. Non mais mec, ça fait pas de dégâts.
D'accord, il se cache. Putain, je suis low HP comparé à lui. What? Ça a bugué? Ah, oh, dommage. On a essayé. On a essayé la technique de fourbe. Il avait du meilleur stuff. C'est pas grave.